Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, nous allons travailler avec le petit oracle des animaux de pouvoir. On va tirer une carte pour savoir quel est l'animal pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci. Nous travaillerons d'un point de vue relationnel avec le Sweet Ladies. Nous tirerons également une ou deux cartes du Lily White Tarot et de l'oracle des reflets. Voilà, ce sont des jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur mon site, dont vous avez la référence en barre d'infos, et celui-ci a été co-créé avec Claire Duval. Mais c'est pareil, je vous ai mis la référence aussi sur ma page boutique sur mon site. Voilà. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez aller plus loin dans votre tirage, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Alors, on va prendre une petite carte des animaux de pouvoir. Pour ce mois-ci, vous allez être accompagné par la fourmi. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience, mon objectif m'attend au bout du chemin. Donc peut-être des retards pour vous, peut-être que vous avez l'impression que les choses ne vont pas assez vite et pourtant elles se font simplement à leur rythme. Donc gardez patience, gardez espoir, tout est en train de se faire, avec lenteur certes, mais cela se fait petit à petit. Alors, je vais la mettre ici. Voilà. La fourmi. Alors, on va commencer tout de suite d'un point de vue relationnel pour la première semaine. Comme d'habitude, on va faire semaine par semaine. Je vais tirer une carte du tarot et deux cartes d'aura qui vont venir encercler la carte du tarot. Voilà. Alors, d'un point de vue relationnel, on voit ici que vous êtes en mode aide. C'est-à-dire que soit vous avez besoin d'aide et vous savez vers quelle personne vous pouvez vous tourner pour obtenir cette aide. Soit c'est à vous qu'on va demander de l'aide et vous allez être tout à fait prompt à vous proposer et à aider les autres. Vous êtes dans une énergie cyclique ici, une énergie qui va de l'un à l'autre. Vous recevez, vous donnez. Et c'est vraiment dans un but d'accompagner, de vous accompagner vous, d'accompagner une autre personne dans ses démarches. Vous avez peut-être aussi des informations que les autres n'ont pas, et ici on vous invite à les partager ou à aller demander des informations qu'il vous manquerait pour aller de l'avant. N'hésitez pas à vous appuyer sur les autres, parce que les autres vont être un soutien pour vous cette première semaine, ou bien vous allez pouvoir être un soutien pour quelqu'un d'autre durant cette première semaine. On voit également qu'il s'agit ici, durant cette première semaine, avec le tarot, on voit une perte qui est présente. Perdre quelque chose. Vous avez cette idée de manque également qui va être présent. Vous êtes dans une période plus difficile, une semaine plus difficile, une semaine où vous voyez peut-être justement les choses qui n'avancent pas assez vite. Vous avez peut-être cette impression qu'il ne se passe rien. Comme ici on est représenté, on représente la carte avec la carte de l'hiver, c'est un symbole d'hiver qui est ici présent. Vous voyez que au pied de ces fleurs qui perdent leurs feuilles, il y a quand même des graines ici tout en bas de la carte qui sont ensevelies sous la neige. Et ces graines, même si elles dorment un certain temps, vont finir par naître, par renaître en hiver, en été, pardon, et donner au printemps, je vais y arriver, et donner quelque chose, justement, de construire quelque chose. Vous allez obtenir quelque chose, même si dans un premier temps vous ne le voyez pas. Mais c'est vrai que durant cette première semaine, vous allez principalement être focalisé par cette idée de perte, cette idée de manquer de quelque chose. On a aussi ce besoin de se recentrer, de revenir sur soi, de penser à soi avant de penser aux autres. Et pour ça, il va peut-être aussi falloir mettre des limites. Vous mettre des limites vous, peut-être physiquement aussi, vous enfermer peut-être dans un espace pendant quelques minutes, si vous en ressentez le besoin, peut-être pendant une heure, si vous avez besoin un moment de tranquillité, aller concrètement, physiquement, vous mettre en dehors des autres, vous mettre en retrait.
Et il est bon aussi de revoir vos limites. Peut-être que vous avez mis en place certaines choses qui ne vous conviennent plus à présent ou que les autres ne respectent plus aussi. Et il est bon de refixer de nouvelles limites sur ce que vous souhaitez. Mais vous n'arriverez pas à fixer ces limites-là si vous ne vous concentrez pas sur vous, si vous n'avez pas cette approche de savoir qu'est-ce qui est important pour vous et pourquoi vous vous fixez des limites ou pourquoi vous les fixez aux autres. Alors on va regarder pour la seconde semaine. Alors, d'un point de vue relationnel, on a ici la carte de l'engagement. Ici, c'est la carte qui montre que durant cette seconde semaine, vous allez avoir envie de vous engager. Alors, de façon vraiment très sérieuse et très concrète avec quelqu'un. Donc, il est possible que ce soit, pourquoi pas, un contrat qui se fait avec quelqu'un d'un point de vue professionnel, une association qui va se faire, ou bien au niveau sentimental, s'engager aussi dans une relation sentimentale, ou mettre en place des choses pour s'engager de façon sérieuse et s'impliquer de façon sérieuse dans une relation, qu'elle soit professionnelle, amicale, pourquoi pas aussi avec un ami, ou bien sentimentale. On voit par contre qu'il y a des déceptions aussi durant cette seconde semaine, des déceptions au niveau de émotionnel, de votre cœur. Peut-être que cela va engendrer une rupture, peut-être que vous allez vous sentir blessé par quelqu'un, par des paroles qu'on pourrait vous dire, que vous allez prendre à cœur. Par contre, cette carte, elle vous invite justement, et celles qui sont à côté, vous invite à prendre de la hauteur par rapport à ça. Si vous avez l'impression que quelqu'un vous a blessé, si vous sentez justement qu'il y a une blessure qui s'est faite à cause de paroles ou à cause d'actes d'autres personnes, il est bon de prendre un petit peu de recul pour prendre les choses avec beaucoup plus de sérénité. Cette carte-là, qui est quand même dans la famille des épées et pas dans la famille des coupes, vous dit également que à mentaliser la situation vous aidera à passer au-delà de vos émotions, de ce que vous ressentez. Parce que vous allez ressentir de la tristesse, vous allez ressentir de la frustration peut-être, vous allez vous sentir blessé. Mais là, c'est peut-être votre ego aussi qui est blessé. Et si vous remettez un petit peu de conscience dans cette situation, si vous essayez peut-être de comprendre la situation, d'intellectualiser ce qui vient de se passer, vous allez pouvoir mettre de côté l'aspect beaucoup plus émotionnel et du coup vous en détacher et vous apaiser beaucoup plus facilement par rapport à cette situation. Il y a également une période de transformation qui est présente pour vous en ce moment. Et les choses, encore une fois ici avec le cocon, se font avec lenteur. On en revient à la fourmi, et le cocon a également cette idée d'un travail qui est en train de se faire, mais qui prend du temps. Alors ça peut être très frustrant, hein, je vous l'accorde, moi-même étant très... j'aime bien que les choses arrivent tout de suite, je suis très impatiente. Il est difficile des fois, et il est d'ailleurs... C'est peut-être d'ailleurs des fois ce qui est le plus difficile dans une situation, c'est d'attendre. C'est pas le résultat, c'est pas de commencer à la mettre en place, mais il arrive qu'à un moment donné, ce soit la patience qui soit vraiment cause de difficultés en nous. Et pourtant, ici, soyez assurés que les choses sont en train de se faire. Et vous voyez que ce n'est pas une petite transformation en plus qui est présente ici. Hein. Là, on va passer d'un état à un autre état. On passe du mode cocon, du mode chenille, au mode papillon. On est en train de complètement évoluer, complètement changer. Il y a un bouleversement intérieur qui est en train de se faire tranquillement, à son rythme. Peut-être aussi que cette transformation est liée à cette relation que vous êtes en train de mettre en place, justement, une transformation, une relation qui est en train de se transformer de façon profonde, de façon aussi durable et constante. Peut-être également que c'est votre vision que vous êtes en train de former, de forger, pour arriver à, lorsque vous ressentez quelque chose de trop difficile émotionnellement, arriver à prendre ce recul et arriver justement à conscientiser la situation pour arriver beaucoup plus rapidement aussi à prendre de la distance par rapport à ça. Donc on va regarder pour la troisième semaine.
Encore une carte de lenteur avec la carte du ralentissement. Ici aussi, c'est une carte aussi qui invite à la méditation. Alors, on va avoir deux choses durant cette troisième semaine. Au niveau des relations, on a besoin de se poser, d'observer et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vous allez peut-être mettre de la distance avec les autres personnes durant cette troisième semaine, avoir besoin aussi de vous retrouver vous et donc de ne pas être en contact avec les autres, mais plutôt être seul face à vous-même. On en revient aussi à la carte un petit peu du renard qu'on avait vu durant la première semaine. Donc il y a peut-être un écho qui se fait entre la première semaine et la troisième semaine. Une émotion qui va revenir et qui va vous permettre aussi, ou vous inviter à prendre du recul. Donc là, on est dans cette idée de prendre du temps pour soi, d'observer au lieu d'agir, de mettre à distance encore une fois peut-être les autres, parce qu'on a besoin justement de faire le point sur soi-même. Et on a encore d'ailleurs avec le tarot cette carte de transformation, pourtant de ralentissement, pardon. Joli jeu de mots, mais ici on a le ralentissement et en même temps c'est tempéré par la carte de l'été qui arrive ici, la carte de l'été qui représente donc la saison, mais toute la symbolique de la saison de l'été. C'est-à-dire qu'ici, avec cette symbolique de la saison de l'été, on a du mouvement, on a l'envie d'aller vers les autres, on a ce besoin de chaleur, avoir un comportement chaleureux envers soi, envers les autres. Et en même temps, j'ai l'impression que cette idée de l'été va plus être axée sur le soleil, dans le sens où ici on a la carte du monde. Et la carte du monde montre également que vous avez réussi une étape, franchi une étape, vous avez mis en place, vous avez maîtrisé une grande étape. Alors est-ce que ce ne serait pas cette transformation que vous commencez à voir apparaître durant cette troisième semaine? Est-ce que vous n'avez pas touché du doigt justement la mise en place de cette transformation et que vous commencez doucement à ouvrir vos ailes durant cette troisième semaine? Et il y a avec la carte de l'été, soit cette idée peut-être que concrètement durant la troisième semaine vous allez mettre en place des choses pour l'été qui arrive, programmer des vacances, ce genre de choses, voir des amis, finaliser un projet durant la période de l'été prochain, ou bien il y a un rayonnement qui se fait. Et moi j'aime bien cette idée justement de rayonnement intérieur. Ici vous vous posez, les choses ralentissent, il y a une profonde transformation qui commence justement à arriver et que vous ressentez, que vous commencez vraiment à ressentir et qui est en train de naître en vous. Vous commencez à comprendre vraiment ce qui s'est passé, à voir votre transformation et puis à la vivre, à la ressentir et à la vivre pleinement. Et en même temps, cela apporte un éclairage nouveau. Ça va apporter une lumière nouvelle, un éclairage nouveau sur votre situation, sur vos relations, sur la personne que vous êtes aussi, sur les projets que vous mettez en place. Et je pense vraiment que cette carte de l'été est en train de symboliser ça, cette nouvelle lumière qui arrive. Alors on va voir, du coup, pour la quatrième semaine, si on a une continuité qui arrive. On a toujours cette idée de... Vraiment, pour vous les béliers, ce mois-ci, il va tourner autour de deux axes. Le besoin de repli, autour de trois axes, je vais dire. Ce besoin de repli, des choses qui sont en train de se faire tout doucement, mais qui sont de profondes transformations. Une envie de construire quelque chose, et ce besoin aussi soit d'aller vers les autres pour les aider, soit d'avoir ce besoin d'aide aussi pour vous. Encore une fois ici, avec cette carte qui va représenter donc l'aspect mince, le côté relationnel de votre semaine, on voit qu'on a une entraide, un appui qui est très présent pour ces deux femmes. Et en même temps, on a des émotions qui sont négatives. Un petit peu comme on avait tout à l'heure le 3 d'épée, on a encore une fois ces émotions négatives. Donc j'ai l'impression que vous allez faire le yo-yo un petit peu toute cette semaine. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à vous fixer. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous fixer et de vraiment vous poser
pour savoir où vous en êtes, ce que vous souhaitez faire. Et puis vous mettez peut-être des choses en place, vous avez l'impression que ça prend trop de temps et du coup soit vous posez des questions existentielles, soit vous décidez de renoncer. En tout cas, vous n'arrivez pas à vous apaiser sur cette situation. Et il y a un tel brassage, un tel mouvement qui se fait durant tout ce mois, que c'est aussi, voilà, ça vous fait un petit peu les montagnes russes au niveau émotionnel. Un coup tout va bien, un coup je me mets en place, un coup je préfère voir ce qui se passe, un coup je me mets en retrait, je vais vers les autres, ou j'ai besoin d'aide, etc. En fait, il y a un énorme mouvement qui est en train de se faire pour vous les béliers. Toujours par contre cette très grande envie de construire quelque chose, de matérialiser quelque chose dans le monde, et qui est lié à un désir que vous avez. Ici on a le cavalier de bâton. On a, vous voyez, ce renard ici qui tourne autour de ce torse de jeune homme. On est dans cette idée d'adolescent aussi qui laisse émerger son... et qui prend contact avec son côté sauvage aussi, son côté encore peut-être qu'on n'ose pas exploiter et qui pourtant vous propose et vous emmène à prendre conscience de ce qui palpite vraiment au creux de vous et comment le mettre en place. Et là, durant cette semaine-ci, même si vous avez des émotions négatives ou de l'impression de tourner autour de sentiments négatifs, vous êtes quand même dans cette idée de continuer, de persévérer et d'avoir envie de construire quelque chose. Et pour ça, vous êtes bien content, encore une fois, ici avec la carte du refuge, que vous avez vraiment besoin d'être seul à vous-même. Et il y a aussi, avec la carte du refuge, cette idée de dépouillement. Vous voyez, puisque cette jeune femme est nue, on a cette idée aussi de se mettre à nu, de ne plus avoir peur vraiment de se dépouiller peut-être de ses peurs, de ses croyances limitantes, de tout ce qui vous empêche d'avancer, pour comprendre aussi comment mettre en place les choses qui brûlent à l'intérieur de vous, qui vous donnent de l'élan. Mais on sent que c'est un petit peu difficile. Vous jonglez entre plusieurs émotions et les choses sont en train de se faire. Sont en train de se faire, mais pour ça, il y a comme cette idée de sacrifice, de besoin un énorme besoin de se ressourcer, de se recentrer sur soi, voire de s'exclure aussi pour pouvoir arriver à toucher du doigt ce qui vous parle, ce qui vous plaît et comment vous souhaitez le mettre en avant. D'autant plus que vous avez vraiment cette envie très 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 profonde de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur, de concrétiser quelque chose, de la mettre au monde. Voilà. Voilà les béliers. Donc je vous souhaite un très bon mois. J'espère que cette transformation justement vous apportera ce dont vous avez besoin et vous aidera à voir ce qui brûle à l'intérieur de vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Thank you.